Allez, donc objectif, faire un Luden pour la Péné, into Flamme Ombre pour la Péné, avec évidemment les bottes de Péné pour la Péné. Je pense que nous avons un plan de jeu que nous allons suivre à partir de maintenant. C'est parti. C'est parti, c'est parti. La pénétration magique. Nous l'attendons, nous sommes contre un Malzahar qui, à mon avis, n'est pas spécialement un trop mauvais match-up. Donc on va voir. Darius qui a envie de sang. Darius qui veut se battre, apparemment. J'arrive. Je suis toujours partant pour un peu de bagarre. Je suis partant pour de la bagarre, mais... On se bat pas s'il y a personne à se battre, quoi. Hop là, je cover. Je cover pour la team ennemie, les gars, vous inquiétez pas. On peut confirmer que les joueurs du New Item Crown sont des cringers. En vrai, moi, je trouve qu'il est intéressant, l'item, hein. Et je le trouve pas si fort que ça au final. Après, j'imagine que ça va être chiant pour les joueurs de Rengar, mais... Je vois un peu comme une Banshee contre les AD, tu vois. Donc en vrai, c'est ça, hein, c'est une Banshee. C'est juste qu'au lieu, au lieu de durer un spell, elle dure 1,5 secondes, quoi. Sauf que c'est un mythique, donc forcément, ça fait qu'il peut pas acheter un autre mythique. Il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et du coup, le type, certes, il joue sa défense, mais il a perdu pas mal d'offense, quoi. Il aurait pu avoir un CC à la place, avec l'Everfrost. Il aurait pu avoir de la Péné magique avec le Luden, il aurait pu avoir de la CDR avec le Liandry, tu vois. Hop là, et le passif, ça dégage. Allez, on recule, monsieur. On joue Dark Harvest, évidemment, parce que c'est rigolo, Dark Harvest sur Brand. Bien sûr. Et sinon, on va jouer le Luden. Bien entendu, le E. Dommage. Parce qu'évidemment, une fois que la cible est brûlée, le Z fait beaucoup plus de dégâts. Qu'on essaie de proc un E into le Z. Pour pourquoi pas mettre un très bon trade. On va niquer ses bestioles avec grand plaisir. C'est une Evelynn jungle, donc overall, on n'a pas peur du gank. Passer niveau 3. Et le tuer avec plaisir. Ça dégage. Le passage niveau 3 à ne pas sous-estimer. Pour notre très cher Brando del Fuego. Malheureusement, il va pouvoir TP, vous en doutez. Hop là, petit E en AOE. Into le Q. Le Z, pardon. Il a pas TP, ok. Il attend un item. Là, on a deux options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on fait une baguette explosive ou est-ce qu'on attend pour le chapitre? On va prendre l'option 3. Saut noir, tome d'amplification. Et on va essayer de brûler ce Malzahar comme il le mérite. Bien sûr. Je vous aide, ça me dérange pas trop. Ouais, ouais, c'est ça, en phase de lane, c'est pas si fort que ça, en fait. C'est ce que je disais, c'est vraiment un item qui est fait pour les phases de teamfight quand t'as des persos qui sont très agressifs en face et qui peuvent pas vraiment te l'enlever, quoi. Ou alors, sur un perso comme Victor, avec qui tu peux répondre, parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que tu peux pas vraiment avoir cet item sans répondre à la couronne. Sinon, t'as juste un CD de 40 secondes qui sert à rien. Genre, juste tu te fais poke une fois sans répondre, bah... T'es heureux, quoi, t'as perdu 40 secondes. Ou Victor, l'avantage, c'est que lui, il peut répondre pendant qu'il se fait aggro. Et du coup, c'est plus compliqué de jouer contre. Il faut qu'on arrive à niquer son shield, évidemment. Avant de l'aggro. Et News Camel, comment tu vas? Elles sont passées où tes dagues, News Camel? Qu'est-ce que t'en as fait? Oh, joli dodge. Joli dodge, mais celui-là, tu le dodgeras pas. Mais bon, au moins, il a pas pris le passif. Il peut s'estimer heureux. Vous savez, ce qu'on peut faire, c'est Q et Flash E. Ce qu'on va pas faire maintenant, parce qu'on le tuera pas. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose de faisable. Tu lances ton Q, et une fois que le Q est parti, tu Flash E. Il faut que le mec soit assez loin pour que ça marche, ça, mais... Là, petit Dark Harvest. Ça le tuera pas.
Dommage que Morgana ait pas attendu, parce que vous savez, quand les ennemis zigzaguent comme ça, faut les laisser zigzaguer. Oula. Faut sauver Madame Morgana, j'arrive. Oh, pas mal. On essaie de bien espacer les sorts, parfait. Ça, ça devrait tuer. Joli, la cage. Bien joué. Les deux cages sympathiques de Madame Morgana qui nous récupèrent ses kills. Mais comme je disais, quand vous avez des CC comme ça que les ennemis essaient de dodge, en faisant des zigzags de droite à droite, de gauche à droite, ben ne lancez pas votre CC. Juste avancez. Bon, sauf si vraiment votre CC c'est votre source de dégâts, mais juste avancez vers lui, mettez-lui des autos, vu qu'il se CC lui-même en fait quand il fait des zigzags pour dodge votre sort. Donc ça sert à rien de perdre votre temps, tu vois. Non, on pourrait juste l'ulti. C'est vrai qu'il y a ces bestioles, my bad. Les bestioles qui ont tanké mon stun, du coup. Je veux ulti pour proc son passif. Moi, jouer avec le feu! Tu l'as? Je pense que tu l'as. Oui, hop, ça dégage. Récupérons nos items comme si de rien n'était. Je l'ai celle-là, technique. Sur les assassins, tu jouerais plus la proleur, l'éclipse ou la dracta. Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend complètement ce que tu veux faire. La proleur permet d'accéder à des gens qui joueraient un peu trop safe. La dracta te permettrait juste d'être bon en teamfight. Et l'éclipse est bon contre les tanks et les corps à corps de manière générale. Ça dépend vraiment de ce que tu essayes de faire. Bon, c'était un peu du hint ce qu'on a fait, mais on s'en est sorti. C'est le principal, on a 4 stacks de Dark Harvest. Donc c'est worse. Bientôt passer niveau 7. Notre niveau 7 qui augmentera évidemment les dégâts de notre Z. Jusqu'à notre niveau 9 qui les augmentera lui aussi. Ça touche. Ah merde. On pourrait Q-flasher, ça ne suffira pas parce que la brûlure est partie. Ah. C'est dommage. Je vais vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Avec le Q into flash E. Le problème c'est que j'ai raté le Q. Du coup, ben, ça marche pas quand tu rates le Q, comme tu peux t'en douter. Du coup, si tu rates le Q, bah, tu stuns pas, quoi. Mais bon, on a tué, c'est le principal. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Non, je veux pas faire un Liandry, on a dit. Putain, je me suis fait... bait par le jeu. Oh, la hitbox a été... C'est vraiment pas sympa, là, je trouve. Hop, la petite Dark Harvest. Oh, le burst de Brand, par contre, c'est une dinguerie, hein. Quand tu touches ton combo... Max le E en deuxième. Ah, dommage. Mais monsieur, revenez pas d'ici! Ah, dommage. On n'aura pas. Si le Q touche pas, on ne le tuera pas. Bon, du coup, il doit reback. Content de jouer au jeu, je pense. Ah. On sait que je pourrais le tuer en envoyant mon R là, sur les minions, là. Regarde, on va utiliser le Z. Ah, il a flash, dommage. Petit stack de Dark Harvest. All Wars. Que vous faites, monsieur? Ah, ça dégage. Même pas espérer farmer. On a vu Evelyne pas loin. Y a pas, donc faut faire gaffe. En tout cas, elle est niveau 6, donc ouais, on va back. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est hop, Q-spell dans la wave. On utilise le E pour que ça proc sur tous les CS et ensuite on utilise le Z pour les dégâts améliorés. J'ai un peu le seum parce que du coup j'ai acheté ça, mais c'est pas grave, ça nous sera utile plus tard. Ça retarde un peu notre Luden, mais bon. On fait avec, hein. On fait avec, on fait avec. Avec ça on va acheter ça. Ce sera le Shadow Flame qu'on fera tout à l'heure. Des Pink Ward et on est reparti. Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va très très bien. Très 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 bien évidemment. Petit bleu buff, allons le chercher, il n'y a pas de souci. Darius qui a encore son R. Ouf.
Ouf! Je vais arrêter de regarder le pauvre. Bon, j'arrive, je récupère le farm et j'arrive. Hein. Parfait. On ne saura jamais si j'ai eu ce CS. Faites vos pronostics dans les commentaires. Hein. Est-ce que j'ai eu le CS ou pas? Nice. Les petits bleu buff. Il a dit à l'aide le Darius, ça me termine. C'est vrai qu'on récupère du mana quand on tue, quand on tue des sbires avec le feu. J'ai complètement oublié ce détail. Ça devrait suffire. À le tuer, mais on va se faire shutdown derrière, évidemment. Malzahar, Evelyn, c'est pas un combo super fun, comme vous pouvez vous en douter. C'est du Cosmo Gaming, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que c'est pas super fun, Malzahar. Malzahar plus, plus Evelyn. Malheureusement, on n'a pas les golds pour pouvoir récupérer notre Luden. C'est dommage, c'est un peu parce que j'ai acheté un tome d'amplification alors que j'aurais pas dû. Mais c'est dommage, overall. Ça va bien et toi? Bah, ça va très très bien même. On est heureux. Le Swain en 2v1. Le Zonia de Swain. Non, non, faut pas de dash in. Non, non, Vayne. Vayne qui a oublié de d'allumer l'écran, je crois. L'écran qui n'était pas allumé, je crois, du côté de Vayne. Let's go. Attention à lui niquer ses bestioles. Hein. On n'a pas envie qu'il qu'il farme comme il veulent. Comme il veut, ouais. Du coup, ouais, faut qu'on fasse attention à partir de maintenant, car Madame Evelyn rôde. On voit Madame Evelyn à son red buff, là. On va garder une pink ward sur nous. Pourquoi, vous me direz? Pour one-shot la mère de Evelyn quand elle va se montrer. Principal souci de cette technique. J'ai réussi à toucher aucun CS avec mon Z. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que je viens d'accomplir. Le problème de cette technique, c'est que sur un R Malzahar, on est mort. Mais Monsieur Malzahar qui se balade. S'il fait pas demi-tour, c'est qu'Evelyn n'est pas là. Sinon, il aurait sauté sur l'occasion, évidemment. J'espère que ce CS n'ait pas été touché. Oh, il a touché un truc. Chaud, je sais pas où est Evelyn. Ah, elle est là. Bah, ça va aussi. Elle est là, elle m'envoie ses piques ici, c'est chiant. C'est chiant, madame, quand même. Faut respecter les gens un petit peu. J'ai pas de bot encore, c'est vrai. Et Blaze qui prend son deuxième mois de sub, merci beaucoup. Salut, Comet. Désolé, j'ai pris l'ulti de Malzahar. Ouais, bah, t'inquiète, je t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, hein. Personne ne t'en veut, t'inquiète pas. Merci en tout cas, Blaze. J'espère que tu vas bien. Ok, continuons. Il nous faut nos bots, parce qu'on a dit qu'on voulait un maximum de peiné magique pour mettre un maximum de feu brut, de dégâts bruts, évidemment. Des brûlures à vif, comme on dit dans le jargon de Rumble. Et du coup de Brand aussi. Un petit Luden qui va proc le passif de Malzahar en plus. Bénéf. Seul problème, Madame Evelyn. En plus, je savais qu'Evelyn était dans ce bush, c'est con. J'aurais pu l'éviter en vrai. Ah, j'ai mal vu la vie du CS. La team qui se bat, on va aller les aider. J'arrive! J'ai tué Malzahar en passant. Ouais, oh merde, le silence qui m'abate. Ah, ça fait chier, là, on n'a pas pu faire grand chose du coup à cause de Malz.
Il court vite ou c'est moi? Ah bah oui, il a déjà ses bottes. Et moi, je les ai pas. Regardez ce dragon, là, vous le voyez? Il est à moi, hein, je vous le dis. C'est vrai qu'il est complètement à moi. Oh, c'est quoi cette hitbox de merde? Pardon. De toute façon, on le sait, hein, que la hitbox de, du spell de Jhin sur les montées comme ça, c'est de la daube. Tu vis actuellement de Twitch. Je vis de Twitch et YouTube. Twitch tout seul ou YouTube tout seul, ça serait chaud. Les deux, ça va. N'hésitez pas à vous abonner, quand même. N'hésitez pas à vous abonner pour que ça aille mieux. En vrai, là, en ce moment, je suis dans le négatif, mais c'est surtout parce que pour un an, je dois payer un loyer monstrueux. Genre, dans une vie normale, je serais bien, en vrai. C'est juste que là, on a un an de... On a un an de loyer un peu abusé, quoi. Vin, c'est un dragon. Mais non, mais j'ai ulti le dragon, mais il y avait Evelyn derrière, vous l'avez vu, non? Pourquoi? Bon, on l'a déjà expliqué, je vais pas re-rentrer dans les détails. Mais... Et merde, c'est vrai que ça dure deux fois plus... Oh, merde. Allez, dégage. Mec, il a cru il allait me prendre mon bleu comme ça au calme. Ça va pas, hein. C'est un fou, lui, hein. On prend pas mon bleu comme ça, hein. Ok, let's go. Récupérons un peu de farm. Faudrait qu'on arrive à récupérer notre... C'est problématique. Oh, c'est... J'ai réussi à rater tout. J'ai tout, même ce qui était inratable, je l'ai raté, frère. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais bon, comme je disais, j'ai fait beaucoup d'économies avant de... Avant de déménager ici pour les un an qu'on doit passer là. Donc en vrai, même si je suis dans le négatif, je suis quand même bien, quoi. Enfin, dans le négatif, je veux dire tous les mois, tu vois. Genre, au final, je suis pas en négatif parce que j'ai fait beaucoup d'économies pendant les 3 ans où j'ai bossé plus stream. Sans vraiment dépenser d'argent. À part dans les extrêmes nécessités. En vrai, on est très très bien. Enfin, plutôt bien. Je suis mort, hein. Peut-être pas. On a pris une bonne décision de faire le tour parce que Malzahar nous aurait ulti puis tué. Ça va être dur cette game, il manque 150 gold qu'on pourrait récupérer sur la wave. Merde, je suis retourné dedans. Oh. Madame Nico qui fait des trucs. C'était complètement un ennemi, le Swain, genre. J'ai cru que c'était mon pote parce qu'il arrivait depuis la voie des potes, en fait. Mais c'était absolument pas mon pote. Ok, il me manque 50 gold. 50 gold et on a un maximum de pénétration. Un maximum de pénétration. Je vous le dis. Tu mérites au moins un K sub. Bon, un K, ça fait beaucoup quand même. Je cracherai pas dessus, mais bon, ça fait peut-être beaucoup qu'un K quand même. On va rester cohérent. Si je méritais un K sub, on aurait peut-être au moins 500 subs, quoi. J'ai réussi à rater tout. À tout rater. J'ai tout raté, frère. On avait dit que c'était la game de trop, de toute façon. 2h du mat, on a stream pendant 4h. Et forcément la game de trop, on le savait. On l'a quand même faite. Parce que ben on est créateur de contenu avant tout. Merde, mauvais sens. Ok, regardez ça les amis. Regardez ce fight. Peut-être pas. Ne regardez pas trop. Pas trop près, quoi. Chut. Et ils sont en train de se partager le cancer.
Ok, pas mal. Les shutdowns de récupérer. Le Fashin de Vayne. On a Evelynn pas loin, j'ai pas de Red Trinket. Ok, le flash out de Evelynn. Elle a encore son ulti, Evelynn. On n'a pas vu l'utiliser en tout cas. Voilà. Un peu la haine, on peut avoir raté ça. Nice. Donc on récupère, c'est pas mal. Beaucoup de gold là-dessus de récupérer. Evelynn qui veut m'en vouloir. Evelynn qui ne m'en veut pas. Tout va bien, 2100 gold. 2100 gold, on va peut-être faire le bâton du vide après. Ils ont pas l'air de faire de résil magique, mais... On voit Malzahar. Putain, Nico, j'ai cru que c'était Evelynn, ça m'a fait quoi. Ah, deux. Ah! Sympa! Oh, t'as passé un bon moment. Je pense qu'elle a passé un bon moment là. Qu'est-ce qu'on veut faire là comme item? Je sais pas trop. On veut faire un Rabadon, un Riley, un Zonia, de la peine magique. Il manque 40 gold pour pouvoir faire de la peine. Une pépéné. Je pense qu'on vend ça et on fait deux baguettes trop grosses. Hein. Ah mais il me faut des pinks. Attends, on attend 10 gold pour la pink. Parce qu'en fait, quand Evelynn me charme, donc dès que je vois le début du cœur, faut que je pose une pink sur moi et que j'essaie de la tuer avant que son charme me touche. Ce serait ça l'objectif. Je sais que c'est présomptueux d'espérer ça. La team est en train de se faire sweep par le support ennemi, ça devient chiant. Bonjour à tous, je suis Flash Shadow. Ah oui, ils ont le lâcheur, yes. Ouais, c'est ça, recule, ouais. Moi, j'ai pas peur de toi, moi. Ah. J'ai peur de lui, quoi. J'en ai pris qu'une, ça va, c'est chiant. Hein. Et méchant les gens quand même. Hein. Ah, c'est vrai que la pink était mal placée. Ça va être chaud sa mère, mais c'est pas impossible, on y croit. Et les shutdowns. Tant que le Nashor est là, on va faire profil bas. Mais dès que le Nashor sera fini, bon, je peux vous dire qu'ils vont pas s'amuser. Hein. En vrai c'est ça, c'est faudrait qu'on arrive à faire un teamfight. Je l'ai eu. Oh le miracle. Un teamfight et si mon R il touche plusieurs personnes, il y a moyen de faire des trucs. Hein. Moins de tuer des gens là. Passif mais 20% de la vie des gens. 20% c'est beaucoup. Ah oui, flash out quand même. Et hop, ça dégage. Ça dégage. C'est mon triple kill. Vous avez vu le R de Rand qui a rebondi sur les tourelles des Merdinger, ça m'a mis bien ça. Petit Rabadon. Petit Rabadon, peut-être petit Zonia. Comme ça on peut faire Zonia. Pendant que les ennemis se prennent mon passif. Et pourquoi pas essayer de les one-shot en vrai. Parce qu'il fait du moins 24%. Le Nashor qui devrait être bientôt terminé, qui est terminé. Ça c'est bénef. C'est bien qu'on ait la soul. Après, en vrai cette soul elle pourrait être rigolote pour moi. Elle va être rigolote pour eux aussi. Faut que je passe niveau 16.
On va poser une pink, qu'on en a une encore sur nous. Asta, il n'y a pas de titre sur ton clip là. Je ne le retrouverai pas. Mais c'est gentil d'avoir eu l'intention de faire un clip. Mais malheureusement, il ne te rapportera pas de points celui-là. Dragon dans une minute. Est-ce que faire se peut ? Beaucoup cette expression en ce moment. Je l'ai eu. Hein. On a le niveau 16. On a le niveau 16 et probablement Evelyne qui veut... Non, c'est bon, Evelyne est top. Ça, ça dégage. On va vite back avant qu'Evelyne vienne me péter la gueule. Et on va partir sur Monsieur le Zonia. J'aurais même pas dû faire de tome, j'aurais dû juste faire le bébé Zonia. Là du coup je vais faire un bébé Zonia mais je perds ma pink, c'est un peu chiant. Sur tel c'est chiant. Aïe aïe aïe. C'est si dur que ça de mettre un titre sur tel. Parce que moi quand je le fais depuis l'appli, il n'y a pas de soucis. Je sais pas. Peut-être que c'est sur iOS que c'est de la merde. Vraiment, il n'y a aucun souci quoi. On est heureux. Il nous faut ce dragon. Faut ce dragon, mais malheureusement, on voit pas grand chose. Hein. C'est peut-être wardé. Oula! Ouf! J'ai vraiment tué quelqu'un comme ça là? C'est ça qui est cool avec Brand, hein. C'est tu lances tes sorts un petit peu comme ça dans le. Dans les ennemis un petit peu. Puis tu tues des gens. C'est ça qui est cool. Moi je vois un titre, les mages et les assassins en S12. Bah oui, c'est le titre du stream. Quand tu mets pas de titre sur un. Quand tu mets pas de titre sur un clip, ça met le titre du stream. Mais du coup, ça fait que tous les soirs, j'ai 15 clips avec le titre du stream dessus. Du coup, le problème, c'est qu'en général, c'est des clips qui ont été fail, parce que dès que t'appuies sur le bouton clip, ça en crée un, même si tu le finis pas. Du coup, en général, c'est juste des gens qui ont appuyé sur le bouton clip au moment où je dis « n'hésitez pas à faire des clips », et qui, du coup, font pas un clip, quoi. C'est pour ça que je les regarde pas, en général, ces clips-là. Au niveau dégâts, on est bien. Le problème, c'est que je sais pas si je peux tuer toute l'équipe ennemie. Quoi. Ah, ça s'est récupéré. On arrive à one-shot la Evelyne. Un pepene, un pepene. En train d'essayer de finir la game. On récupère tous les shutdowns. On va faire un bâton du vide après. Cette game n'est pas terminée, les amis. Brand Magic Trick. Voilà, là, je vois le. Là, pour John, par exemple, je vois le titre. Il n'y a aucun souci. Et du coup, après, on va faire le bâton du vide. 200 gold encore pour ce bâton du vide. 10 secondes avant de récupérer mon R. Et Merdinger, tu es où? Ah, ok. J'ai rien. La presser. On rappelle que le R de Emerdinger ne rentre pas en CD avant de lancer le sort. Ça coûte juste du mana quand il lance le sort, mais ensuite il peut le désactiver et garder le CD. Ah, les dégâts Emerdinger, je te gêne pas. Et imagine, je me plains des dégâts là.
D'ailleurs, faut même vous dire qu'un clip avec écrit 3 dessus, ou 1, 2, 3, je le regarderai. Bon, juste les titres qui sont... qui sont le titre du stream que je regarde pas. Ah, quand t'as Vayne et perd son shilbo sur... sur les CS, c'est que la game, elle est chaude. Aïe. Je sais pas trop comment on va gagner cette game, les amis. J'ai le regret de vous annoncer que ça va être compliqué. Ok. Oups. Your Torel has been destroyed. Peut-être pas du flash pour un kill en vrai. Surtout que je suis full stuff. Il n'y a pas vraiment d'objectif à faire encore, my bad. Cette game qui va être dure sa mère. Comme on dit de par chez moi. N'hésite pas à prendre le farm, hein. Moi je suis full stuff. Bon, n'hésitez pas à prendre le farm. Hein. Je ferai pas plus de dégâts, moi. Je pourrais à la limite vendre le Zonia. Les clips, ils servent à quoi? Ils servent à faire les best-of, entre autres. Les monteurs ont pas que ça à faire que de regarder tous mes streams pour prendre les clips. Du coup, je leur envoie les clips que vous faites. Et chaque clip que j'envoie à un monteur, je donne des points au viewer qui a fait le clip. Et le viewer qui a le plus de points à la fin du mois, enfin les viewers, parce qu'à chaque fois il y en a plusieurs, le viewer qui a le plus de points à la fin du mois, il gagne des skins, des subs, comme il veut. En général, c'est tous les viewers qui ont fait genre un clip par... un clip tous les deux streams, quoi. Et prends le farm. Ah, ils ont la soul. Ça va être dur. Ça va être dur. Je sais pas trop quoi faire, là, comme item. Est-ce que le Liandry serait pas mieux que le Luden maintenant? Ils ont toujours pas de résistance magique, du coup, non. S'ils font de l'ARM, à un moment, le Liandry sera mieux que le Luden, mais... Vincent, c'est chaud. Non, monsieur Dalissu. Vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu. En vrai, si j'arrive à être caché, à envoyer un bon air... C'est un monde où... Un air into tous mes sorts, into Zonia. Peut-être un monde où j'arrive à carry un fight, hein. Ah. Merde. Les espoirs qui... On va commencer à face check, hein. Ok, je rigole. Oh, il va me flush. Très bien. Ils pensent qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga. Je vais mourir. Adieu. Faut que je back. Si on l'équipe, peut-être. Alors peut-être. En vrai, quand je suis pas là, faudrait pas qu'ils tentent des fights, mais... On y croit. Le problème, c'est que je peux rien faire de plus. Parce que vendre mes bots, je pense que c'est du trolling. Hein. Je pense vraiment que c'est du trolling de vendre mes bots. Faut récupérer le farm, les copains. Farmez tout ce que vous pouvez. En vrai, on devrait même tenter le Nash, là. Faudrait que je fasse une red trinket aussi, je pense. Pour être plus agressif. Go tuer. Oh.
J'ai pas vu. J'ai pas de zonier encore, donc je peux pas vraiment... Quoi, Darius, il m'a abandonné. Darius, je comptais sur toi. Je comptais sur toi, Darius. Ouais, sans zonier, je peux pas dodge le R de Evelyn. En vrai, il était stylé, le move en 2v1, là, qu'on avait fait. Bon, du coup, c'est le Nashor. C'est le Nashor, en plus, qu'il fallait faire. Je sais pas pourquoi il a chase le Jin. Il a flash le Jin. Bah, je crois que c'est perdu, les amis. Je crois que c'est lose, hein. Nashor, la Soul. On va avoir l'Elder bientôt. En vrai, non, si on a l'Elder, on peut peut-être gagner, hein. En vrai, si on a l'Elder, on peut peut-être la win encore. Le Zonia me paraît indispensable. Les bottes, qu'est-ce que j'achète pour des bottes? Un fléau de liche? Non. Je pourrais faire la couronne en vrai. Ben oui, je suis con. Je peux complètement faire la couronne. Je peux complètement faire la couronne pour Counter Evelyn. Le problème, c'est qu'à tout moment, la couronne, elle se fait baiser par un truc. Mais... Du coup, on a un peu moins de dégâts, mais bon, est-ce qu'on a besoin de plus de dégâts? On a besoin de plus de dégâts si on survit. Monsieur Swain, barrez-vous. Merde, j'ai perdu ma couronne. J'ai perdu ma couronne à l'aide. Ah non, je sais pas, même la couronne en fait, le problème c'est que leur compo il poke tellement que c'est chaud. Hein. Ok, j'ai pris mid life sur la tourelle. Mal, plus d'ulti sur Evelyn. Et Vayne, elle a que 3 items. Comment c'est possible? Mais comment? Is ok, on est bien les amis. Un roi sans couronne, c'est mieux qu'un roi sans tête. J'ai réussi le trick. Ah, ouais. J'ai Q et ensuite j'ai E, je sais pas si vous avez vu. J'ai perdu ma couronne à l'instant. Ah, je crois que nous avons un problème. Bro, je fais du moins 1000 avec mon Zed. Chope-la ! Elle meurt, t'inquiète. Ok, il nous faut ce Drake. Et pourquoi je regarde pas mon écran alors que j'ai 200 PV ? Je suis une merde aussi ! Bon. Ah, sans moi, je pense qu'ils peuvent pas le faire. Elle Dominique, le démonique Embrace, tu veux que je le fasse à la place de quoi? Tous mes items, ils sont indispensables. En vrai, non, ça c'est plus indispensable, j'imagine. Bon. Le problème, c'est que l'Elder, il aurait été fort sur moi, tu vois. Pas trop ce que ça vaut, un Elder sans moi. Bon, bah l'Elder qui aura pas été très utile du coup. Dommage. T'inquiète Nico, tu peux le faire. Hein. On croit tous en toi. Hein.
Mais recule, ouais. Cinq secondes avant mon ulti. Bon, on défend ça. Oh, ils vont vraiment tryhard là. Ah oh, ouais. Bah super. Dommage. On aura fait notre possible. On aura fait notre possible, c'était quand même rigolo. Moi je me serais bien amusé dans cette game. Les one shot à tout 20. Je sais pas s'il y avait un moyen de carry cette game, mais bon, c'est pour ça que Brand Mid n'est pas méta, hein. Parce que même quand t'es fed, c'est chaud de carry une game. Merci YouTube, j'espère que ça vous aura plu. C'était le petit Brando del Fuego. Non, en vrai, c'est cool. Je kiffe mon petit Brand Luden. Je suis vraiment trop heureux de jouer Brand Luden à chaque fois. Arrêtez de jouer Brand avec un Liandry, la merde. Je n'en peux plus, Nyoda n'en peut plus, les amis. Merci YouTube. Passez une très très bonne soirée. Je vous dis à demain sur YouTube et à ce soir en live. Bye.